Alors moi, c'est la bande dessinée. C'était en 2008. J'étais donc à l'époque éditeur de bande dessinée, donc papier, tout à fait classique. Et je cherchais à anticiper l'évolution de la bande dessinée dans un monde numérique d'écran. J'ai fait le tour du monde en allant d'abord vers les langues que je connais, c'est-à-dire l'anglais. J'ai été aux États-Unis, puis ensuite au Japon, pensant que ces deux grands pays de bande dessinée allaient m'éclairer. Et en fait, c'est le bureau à côté du mien où il y avait une éditrice qui éditait des bandes dessinées coréennes sur papier qui m'a dit, écoute, là-bas, tout est digital, faut que tu y ailles. J'y suis allé, je suis quasiment plus revenu. Et donc c'est ça qui m'a amené là-bas.